Partagez-moi ce direct, mes bébés. Je ne suis vraiment pas contente. Ce dont je parle ce soir, c'est de ma relation avec Grand-Pé. Beaucoup de personnes se sont permis de m'insulter, d'insulter Grand-Pé. Moi, quand on m'insulte, ça ne me dit rien. Mais traiter un Grand-Pé de génie ou d'extraterrestre, je trouve que certaines personnes sont allées un peu trop loin. Donc, partagez-moi ce direct. Je vais mettre la musique et je vais commencer à parler tout à l'heure. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, c'est Edoxie Yao. Je ne suis plus à présenter, mais pour ceux qui viennent de me connaître, je suis ivoirienne de père et de mère vivant en Côte d'Ivoire. Artiste chanteuse. À la base, esthéticienne diplômée d'État, j'ai le CAP en esthétique. Bon, le but de ma vidéo de ce soir, c'est un peu un ras-le-bol. Moi, Edoxie, si tu vas m'insulter jusqu'à... Je m'en fous de cela. Mais quand tu attaques quelqu'un que j'aime, je peux parler. Sinon, moi, tu vas m'insulter. C'est quoi, moi, on ne m'a pas dit dans ce pays-là. On m'a tout dit. Moi, aujourd'hui, là, je m'ignore de ce que les gens peuvent penser. Parce que les mêmes personnes qui m'insultent, là, c'est les mêmes personnes qui vont me voir dans le rue, vont sauter sur moi, venir prendre les photos. Donc, peu importe ce qu'on peut dire de moi, je m'en bats les couilles. Mon affaire de Grand-Pé, Grand-Pé, à la base, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour. Il a souffert dans sa vie. Grand-Pé a connu la souffrance. Grand-Pé est un être humain créé par Dieu. Donc, je ne peux pas permettre que quelqu'un se lève pour venir dire que Grand-Pé est un génie, j'ai eu mal. Il ne faut pas me la mon chrétien. J'ai eu mal. Parce que je m'affiche avec Grand-Pé, certaines personnes se permettent de dire que c'est un extraterrestre. En plus, c'est un Ivoirien, ça ne se fait pas. Excusez-moi, c'est pas me laver le plaisir, j'aime pas ça. J'ai eu mal, j'ai été choquée. Comment traiter la créature de Dieu? Un être humain que Dieu a créé, comment vous pouvez le traiter de génie? Mais c'est grave. Si je m'affiche avec Grand-Pé, c'est mon problème. It is my problem. Si notre affaire de mariage, si c'est un buzz ou c'est la réalité, c'est notre problème. On ne force personne à nous suivre. On ne peut pas forcer quelqu'un à suivre. On ne peut pas forcer quelqu'un à suivre quelqu'un. Donc, vous permettre... Moi, m'insulter, je m'en bats les couilles. Mais le traiter de génie, la personne qui a fait ça, là, c'est trop fort. C'est pas lui qui s'est créé. Hein? C'est pas lui qui a demandé à être malade. Hein? C'est un être humain comme nous. Donc, vous voulez que on n'a qu'à lui rappeler qu'il est malade? Vous voulez qu'on lui rappelle qu'il n'est pas pareil comme nous? Non. Les Ivoiriens, vous avez un incroyable talent. Après ça, quand les autres peuples vont s'élever pour dire que nous sommes xénophobes, vous allez vous plaindre. Pourtant, l'Ivoirien n'est pas xénophobe. Mais c'est notre bouche là qui va nous tuer. Avant de prendre la parole, quand on dit qu'on est blogueur, on doit peser ce qu'on dit. On doit peser. Dieu a créé l'homme avec la parole. C'est pour dire que la parole est très puissante. La parole peut construire et la parole peut te détruire. Plus jamais quelqu'un va se lever encore pour dire que Grand-Pé c'est un génie. Pourquoi je m'affiche avec lui? Pourquoi j'ai créé le buzz avec lui? Plus jamais. La personne qui a dit ça, là, je ne peux même pas lui faire cette grâce à me prononcer son nom. Ce serait trop même le considérer. Mais plus jamais tu vas considérer Grand-Pé de génie. Plus jamais. Parce que toi, tu n'étais pas créé. Hein. Tu peux créer un être humain. De quel droit toi, tu vas te lever pour dire pourquoi moi, je m'affiche avec Grand-Pé? De quel droit? La personne même qui doit se plaindre ne se plaint pas. C'est mon corps. Je le donne avec à qui je veux. C'est ma bouche. J'embrasse qui je veux. Si je veux marier un étranger, je veux marier un étranger. Dieu nous a tous créés uniques.
Dieu ne connaît pas affaire d'étrangers. C'est nous les hommes, nous-mêmes, qui nous divisons. Donc, celui qui s'est permis d'insulter mon mari, grand-père, moi, je ne veux pas t'insulter, mais tu allais un peu trop loin. Ça ne se fait pas. Demain, tu peux avoir un enfant qui est malade, tu peux avoir un enfant qui peut avoir sa maladie. Donc, de quel droit? Tu vas te lever, tu vas t'asseoir sur tes pieds pour le traiter comme ça. Je suis au regret. Il a besoin d'amour. Même moi-même, être humain qui est là, là, j'ai besoin d'amour. Une fois, j'ai fait une interview, on m'a demandé qu'est-ce qui me ferait plaisir. Où j'ai dit, j'aime quand on me dit, je t'aime, c'est trop doux. Et puis les gens commençaient à se moquer. Les gens copient souvent la vidéo, la partie où ils disent, c'est trop doux. L'être humain en lui-même a besoin d'amour. Grand-père n'a pas connu l'amour. Il a connu la souffrance. Mais quand Dieu veut te bénir, un seul jour, ton heure va sonner. Il a vu Alpha, il a dit à Alpha d'être son manager. Alpha aussi, c'est un battant. Il a frappé de porte en porte. Ils sont tombés sur des personnes, ils ont des parrains. Je ne vais pas dire les noms. Un de ses parrains a acheté son billet, il est parti pour la Coupe d'Afrique. Là, c'était en Égypte. C'est comme ça, sa célébrité a commencé. Il est venu à Abidjan. Moi, je n'étais pas à Abidjan. Ah, il est Médoxy. Je suis parti le soutenir pour son concert. Voilà, c'est ça. Grand-père dit, il veut me marier. Que ce soit la réalité ou que ce soit le buzz, votre problème, il est où? Le simple fait que grand-père soit content, le simple fait qu'il est avec moi, il est content, là, ça me suffit largement. Donc, je ne permets pas que quelqu'un va se lever pour venir l'insulter. Cette même personne, il y a 11 000 connectés, mais vous êtes affaireux. Oh. Cette même personne qui a dit cela s'est permis de dire que moi, je ne fais pas honneur à la Côte d'Ivoire. Laisse-moi rire. Je ne vais pas me vanter, hein. Mais les Américains, même, me veulent. Je ne vais pas me vanter. Mais les Nigériens, ils me veulent. Ils font des reportages sur moi. Quand je vais au Nigeria, ils disent, voilà, c'est faux. Ils veulent me voler en tant que Nigérien. Les Américains font des reportages. Ils disent, elle est américaine. Les gens se déplacent. Vous voyez que le Vesoun, un journal anglais, ils ont déjà parlé de moi il y a quelques années, hein. Là-bas, on ne parle que des superstars, on ne parle pas de n'importe qui là-bas. Ils ont parlé de moi, le Daily Mail. Les stars américains, les multimilliardaires ont parlé de moi, ils ont fait des reportages sur moi. Et quand j'ai même les captures, Birdman, des milliardaires, même Kim Kardashian me connaît. Mais moi, je m'en fous de ça, je n'ai pas la grosse tête. Je me dis que c'est une grâce de Dieu. Même si mes frères ivoiriens me rejettent, je m'en bats les couilles. Ce qui est sûr, je sais que de la manière qu'ils m'insultent, là, c'est pas si même qu'ils m'insultent. Parce que quelqu'un que tu n'aimes pas, tu ne vas pas prendre ton temps pour l'insulter. Donc, moi, m'insulter, là, ça ne me fait rien. Mais venir insulter quelqu'un qui est malade, le traiter de génie ou d'extraterrestre, je trouve que la personne a poussé un peu le bouchon un peu trop loin. Ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas. Et moi, je m'affiche avec qui je veux. Personne ne peut m'essayer. La personne qui doit se plaindre ne s'est jamais plainte. La personne me soutient dans ce que je fais avec grand P. Les Guinéens me soutiennent dedans. Et vous savez, quand la famille de grand P avait récupéré grand P et son manager n'avait plus accès à lui, les Guinéens n'ont pas fait vidéo pour m'insulter, pour dire que moi, j'ai abandonné grand P. Vous vous rappelez pas? Hein? Son manager l'a repris. Ils sont venus en Côte d'Ivoire pour me voir et faire un featuring avec Safarel. Ils sont venus, les premiers jours, j'étais avec eux. Après, mais je les ai laissés. Puis à chaque moment que je me connectais, je voyais qu'il est parti saluer le temps. Son manager m'appelle, mais il s'est fâché. Il dit, normalement, on doit être ensemble tous les jours. Il dit, c'est pas fou, mais je voulais vous laisser un peu le temps. Vous voulez que j'abandonne grand-père pour votre propre plaisir? Tu penses que même si on fait le buzz, c'est vrai qu'on parle de nous, on n'a pas provoqué. Hein. Le buzz, là, c'est Dieu qui donne, hein. C'est Dieu qui donne. Ça fait combien d'années que je buzz? Donc, je ne permets pas que vous allez venir insulter grand-père. Je ne permets pas. Moi, insultez-moi. Mais lui, je ne vous permets pas. Grand-père n'a pas besoin qu'on lui rappelle qu'il est malade. Il n'a pas besoin de ça. Grand-père n'a pas besoin qu'on lui rappelle qu'il n'est pas comme nous. Parce qu'il sait. Vous le voyez comme ça, il est très conscient, il est très intelligent. Il a trop souffert. Lors de sa gloire a sonné. L'heure de sa bénédiction a sonné. Il doit être heureux et entouré des gens qui l'aiment. Donc je ne peux pas permettre que quelqu'un va se lever pour venir l'insulter. La vidéo là m'a blessée.
La vidéo là m'a déchiré le cœur. La vidéo là m'a fondu le cœur. Les gens aiment les Ivoiriens, hein? Mais notre bouche est sale. On a une sale bouche. Et le blogueur, revoyez-vous. Revoyez-vous, parce que dans le monde entier, là, on nous aime. Hein? On nous aime. Mais vous, on aime trop insulter. Vous aimez trop insulter. Donc, revoyez-vous. Ce même blogueur s'est permis de dire que c'était pas l'artiste là qu'on devait dire que sa musique donne envie de se suicider, que c'est plutôt à moi qu'on devait dire ça. Mais je suis désolée de te dire que tu es un gros menteur. Moi, je n'ai jamais voulu chanter. C'est en 2018, j'ai dit à mes fans en 2017 que depuis 16 000 qu'on était mes bébés. J'ai dit à mes fans que depuis en 2017, que depuis début 2018, je vais commencer à chanter. Ils ont commencé à se moquer. Ils ont dit, celle-là va chanter quoi? Elle va chanter mes fesses haut, mes fesses, mes seins haut, mes seins haut. Mais quand j'ai fait sortir Never Give Up, waouh! Les Ivoiriens m'ont félicité. De part et d'autre, on m'a félicité. On m'a dit, Doxy, déjà, façon tu as monté ta forme, déjà, tu as un talent. On m'a dit que je sais chanter. Never Give Up, c'est une tuerie. Beaucoup de fans, que ce soit blanc ou chinois, ils connaissent Never Give Up par cœur. Mon son, dis-moi, c'est une tuerie. Parce que moi, je me lève pas comme ça, prends au studio, je fais des tests. Donc, personne ne peut me déstabiliser sur ce point-là. Pour dire que ça l'autre, c'est pas l'autre, on devait dire que c'est à moi. Tu veux me diminuer, me rabaisser en disant que moi, ma musique donne l'envie de se suicider sur regret. Avec cette musique-là, je fais des tournées et guichets fermés. J'ai jamais fait un concert qui n'est pas à guichet fermé. Dieu me fait grâce. Demandez aux étrangers, demandez aux Burkinabé, demandez aux Béninois. Parce que c'est plus là-bas que je tourne. Je fais guichet fermé. Je suis une grâce vivante, je suis une grâce de Dieu. Mes sons ne passent pas sur les grandes chaînes de télé comme Trace, tout. Mais les gens connaissent mes sons. Je sais faire ma promotion. Je sais utiliser les réseaux sociaux. Quand je snap, je snap sur mes sons. Donc, mes fans, au moins une petite partie, un titre de ma musique, qui retiennent. Donc, ce que tu racontes, c'est du pipo. C'est du n'importe quoi. Je ne te le permets pas. Ça prouve que tu es en France, mais tu n'es jamais sorti. Les Ivoiriens sont beaucoup aimés. Mais de la même manière que les Ivoiriens sont aimés là, c'est comme ça aussi, ils souffrent aussi dans d'autres pays. Un s'est levé, un blogueur s'est levé pour parler du Burkina, pour inciter les gens à la haine, pour dire que les gens s'élèvent pour chasser les Burkinabés. Ils oublient que nos frères et nos soeurs ivoiriennes sont remplis au Burkina. Cette même personne qui a osé mal parler de Burkinabé pour inciter les gens à la haine, lui-même, il est calé aux États-Unis. Au Burkina, les DJ, ce sont les Ivoiriens. Les serveuses, ce sont les Ivoiriens. Quand je m'en vais faire mes prestations, quand j'ai fini mes concerts, elles viennent prendre des photos avec moi, elles vont me dire, je suis ta soeur. Les Ivoiriens aussi souffrent ailleurs. Ils vont se chercher. Vous pensez que ça, avant, on était petit, les Ivoiriens ne sortaient pas. Depuis qu'on a connu la crise, les Ivoiriens sortent. Aussi sont souffrir dans d'autres pays. Donc on doit, quand on parle d'un étranger, on doit parler avec respect. Parce que tu ne sais pas où ton frère souffre quelque part. Tu ne sais pas. Si vous ne pouvez pas parler d'amour, ne parlez pas. Ne parlez pas. N'incitez pas les gens à la haine. N'incitez pas les gens à la haine. Je n'ai vraiment pas apprécié la vidéo de ce gars. Pas parce qu'il m'a insulté, mais le fait d'insulter Grand-Pé. Je trouvais qu'il allait un peu trop loin. Il allait un peu trop loin. Donc, mes amours de la Guinée, je vous demande pardon. Parce que c'est un Ivoirien qui a osé faire cela. Je vous demande pardon. Pardon de tout cœur. Cette affaire de Grand-Pé, je ne joue pas avec lui. Il m'aime, je l'aime, il a besoin d'un amour. Je lui apporte mon amour et mon soutien. Point bas. Je ne profite pas de lui. Il ne profite pas de moi. C'est Dieu qui bénit, c'est tout. Et personne ne pourra nous empêcher de nous voir. Donc, le but de ma vidéo d'aujourd'hui, c'était pour dire que cette personne qui a fait cette vidéo, il est allé un peu trop loin. Je suppose
J'ose espérer qu'il a fait pour s'amuser. Mais il allait un peu trop loin. J'espère que plus jamais ça ne va se reproduire. Plus jamais. Donc, c'est ce que j'avais à dire, mes bébés. J'ai eu trop mal au cœur. J'ai eu trop mal au cœur quand j'ai vu cette vidéo. Maria, Marine aussi là. Merci beaucoup pour le conseil. Tu es très réfléchie, ma soeur. Merci. Je suis de tout cœur avec toi, Lancine. Lancine est en rue. Je suis de tout cœur avec toi. Tu progresseras dans la vie. Excuse-moi. Amen, amen. Celui qui dit qu'il a mal de grand peu. Vos messages passent vite, vite. Juste rendre compte de ce qui n'est pas une humaine, son cœur. Je te dis fausse. Comment il peut se permettre d'insulter quelqu'un mais qui est déjà malade, qui a souffert dans sa vie, qui veut oublier ses soucis, parce que je m'affiche avec lui et dit que c'est mon mari, santé, c'est sorti là-bas. Il ose l'insulter. Ok, si je fais mon enfant, et si je fais un enfant avec un grand-père, avec grand-père, faut pas, moi, de laisser l'enfant en Guinée. Moi, j'aime la Guinée. Je vais aller vivre en Guinée même. Quand l'élection même se rapproche là, il m'a fait même, il a commencé à chercher une résidence là-bas pour aller même faire 2 mois. Je vais aller m'installer en Guinée ou au Burkina Faso. Moi-même, je n'aime pas rester en Côte d'Ivoire. J'aime mon pays, mais mon pays là ne m'apporte rien. Hein. Mais truner, là, l'argent que moi je gagne, ça vient de l'étranger. Quand je vais faire mes tournées au Burkina, sur le Burkina, je trouve mes millions. Quand je m'en vais au Bénin, c'est au Bénin. Quand je vais dans d'autres pays africains, quand je vais en Guinée aussi, je prends mes millions, je viens. En Côte d'Ivoire ici, là, vous m'apportez quoi? Quand on fait un événement, tout est cadeau, cadeau, cadeau. Donc, je ne vous permets pas d'insulter les gens qui me soutiennent. Que ce soit moralement, financier, je ne vous permets pas. Non, non, non. Je suis une grande fille, je suis un vieux piment. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Si mon affaire de grand-père, ça ne vous plaît pas, ne nous suivez plus. Ne nous suivez plus, ne venez plus sur ma page. Ne venez plus sur ma page. Moi, je n'ai pas le temps de répondre aux gens. Je m'en fous si on m'insulte. Moi, je suis habituée à cela. Mais insulter quelqu'un qui est malade physiquement, non, 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 mais c'est grave. Qu'est-ce qui vous arrive même? Est-ce qu'on peut forcer escargot à ce colombe? La célébrité, là, c'est Dieu qui donne. Peut-être d'autres sont à chercher les célébrités ailleurs, mais c'est Dieu qui donne. Hein. C'est Dieu qui va permettre que les gens viennent te suivre. Si tu sais faire, les gens vont te suivre. Si tu arrives à captiver les gens sur les réseaux sociaux, les gens vont te suivre. Mais pourquoi vous êtes des blogueurs, puis vous venez insulter les gens matin, midi, soir? On peut donner son point de vue. C'est normal. Tu peux parler. Mais tu peux parler sans insulter, sans insulter. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, qui peut interdire qui de parler? On peut parler sans insulter. Sont des personnes exemplaires. L'homme n'est pas parfait, mais essayons d'être parfait. Essayons d'être parfait. Tu as eu une bonne éducation, Angélique Clara. Au talent insulter sa mère, mais toi, tu t'adresses uniquement à lui, surtout avec respect, dans le respect. Courage à toi, continue de soutenir grand-père. Angélique, c'est rare. Oui, je n'ai rien contre lui. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il a le droit de donner son point de vue. Il a le droit. Mais venir insulter grand-père parce que je m'affiche avec grand-père, non, mais c'est grave. Vous pensez que grand-père qui est là, il n'est pas conscient? Grand-père est conscient, hein? Il est très intelligent. Reconnaissant, gentil. Quand quelqu'un a souffert dans sa vie, là, il a besoin d'amour. Il a besoin d'amour, de soutien. C'est tout. Quand même, on ne nous voit plus ensemble pendant un temps, on se poste, les Guinéens même se plaignent. Et donc, si tu as abandonné grand-père, tu as abandonné grand-père. Grand-père est venu à Abidjan encore, on est ensemble encore. Ce n'est pas les Guinéens maintenant qui se plaignent, c'est les pauvres frères Ivoiriens. Que moi, je laisse les Ivoiriens pour aller m'afficher avec grand-père pour faire le buzz. Le buzz, on ne le provoque pas.
Non, c'est juste à afficher. Maintenant, si les gens nous aiment, si on fait rire aux gens, tant mieux. Le buzz, on ne le provoque pas. Donc, mes bébés, c'était le ras-le-bol. Soyons des personnes aimantes. Soyons des personnes aimantes. On n'est pas obligé d'insulter quelqu'un pour dire ça, pas de vérité. On n'est pas obligé.